Bonjour. Ceci, c'est comme une sorte d'appel. Beaucoup, je dis bien beaucoup de jeunes. C'est comme si vous êtes encore dans les nuages. Et ça me gêne. Suis vraiment embarrassée. D'où pas l'initiative de faire ce direct. Il y a un jeune. Et je pense que dans les 2 derniers mois, j'en ai rencontré beaucoup. L'un d'entre eux a un enfant. Il est dans la trentaine, au moins de 35 ans. C'est sa mère qui s'occupe de son enfant. Alors ne passe plus trop ici. Va là où tu vas travailler, tu pars là-bas, tu restes. Quand tu passes ici, ça me dérange. Et pour faire les courses de son enfant, il doit demander l'argent. Parfois, tu lui demandes que tu planifies de faire quoi? Tu vas où? Il préfère que tu donnes l'argent du parfum. L'argent du parfum. Un autre me dit un jour qu'il va aller blanchir ses dents. Donc tu restes, tu as l'enfant. Au lieu de t'inquiéter ce que l'enfant va manger. Les astuces de Sandy, je vais te bloquer. Tu ne me suis pas tant que ça. Chaque jour, je suis en direct. Tu étais manqué, tu ne me suis pas. Faut partir. Ce qui t'importe, ce qui est important pour toi, c'est là-bas que tu vas travailler. Tu vas partir. Je ne veux plus les bruits. Je te préviens, moi seulement. Prends donc, tu pars. C'est comme si les jeunes sont aujourd'hui obnubilés par les réseaux sociaux. Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui ne pensent pas à leur futur. Tu portes l'enfant, tu mets derrière toi. Tu rencontres une femme, tu dis que tu veux l'enfant. Mais mesdames, avant de faire l'enfant avec un homme, à moins que ce ne soit ton donneur, tu n'as pas la connexion, tu ne dois plus me suivre. C'est pour ça que je te dis, Sandy, je te bloque. Tu n'as pas de connexion. Vous êtes pauvre, vous me suivez, je vous bloque. On vous dit, payez votre dîme, vous ne payez pas. Faites tes choses, vous ne faites pas. Vous avez ici, là, dans mon direct, dit que tu n'avais pas la connexion. C'est pour ça que vous êtes ici sur les réseaux sociaux. Vous demandez la connexion. Avec toutes les idées que vous donnez tous les jours, vous êtes toujours pauvre. Certains d'entre vous avez 2 enfants derrière vous. Vous savez ce que c'est que de se mettre la pression en se disant, l'enfant, il va manger quoi? Je me suis rendu compte aujourd'hui qu'il y a même des hommes qui n'arrivent pas à s'en sortir. Tu vois un homme de 30 ans, il est là comme ça. Et le truc, c'est qu'il n'est pas conscient, hein.
Vos parents ont mis quoi dans vos têtes? Vos parents ont mis quoi dans vos têtes? I am different. Tu me dis, je suis sûr que tu dors chez quelqu'un. Voici la génération qu'on a. Voilà notre génération aujourd'hui. Tu me rappelles, il y avait un groupe de deux gars que j'avais pu qu'ils déménagent une fois ici à Libreville. Ok, ils sont arrivés, j'ai vu comment ils travaillent le jour-là. Je les ai payés 5 000. Après, ils voient, c'est le manque de respect. Il dit que bon, comme je suis toujours dans mes résidences, maximum une semaine, 7 jours par mois. Je pars ailleurs, 7 jours par mois, maximum. Il dit que bon, je peux vous prendre quand je suis même à distance. Vous venez nettoyer une fois par semaine, juste pour rafraîchir l'endroit. Le manque de respect commence. J'ai pris un, il dit que bon, je peux t'employer, même tu restes, tu nettoies même. Il a fait 2 semaines dans mon magasin, il s'est fâché un jour parce qu'on lui a mal parlé. Un boulot stable, il est parti. Parce qu'ils aimaient. L'un d'entre eux, le jour où on déménage ici, j'avais jeté beaucoup de choses. Et mes choses, quand je peux acheter un truc, je porte 2, 3 fois. Ça me plaît, puis je jette. Quand vous venez de m'engager les chaussures, vous me gardez, les trucs comme ça là. Souvent, dans le sac même, je ne porte pas. Je pose, je prends, je dis peut-être, ok, prends le sac, si, prends ça. L'autre voit, il dit que c'est que mon téléphone qui veut. Ah, je n'ai pas le téléphone. Il me faut le téléphone. Il dit, ok. Travaille pour moi. Ça atteint le prix du téléphone. J'achète le téléphone, il te donne. Non. Tu vois, pour tes beaux yeux, je vais te donner le téléphone. Pour tes beaux yeux. Alors, entre sur toi. Pour tes beaux yeux. Qu'est-ce qui se passe avec votre génération aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Ah, merci. Vous êtes léger. Ok, ok. Un autre m'avait aidé comme ça une fois. J'ai vu l'aide qu'il m'avait apportée. Il m'a aidé à trouver une maison. Il dit que bon, je sais que les agents immobiliers vont te donner. J'avais payé 1 mois de commission. Quand je sais que les agents immobiliers vont te donner un peu, bon, j'achète un téléphone, je lui donne. Pour compenser. 2 semaines plus tard, il commence à me dire, vends-moi un de tes iPhones. Tu as acheté le téléphone à 70 000. Et quand tu as vu ton téléphone, était gonflé derrière, jusqu'à, on pouvait aller faire fuir les oeufs avec, je ne sais pas, c'était costaud comme ça. Tu as acheté son téléphone, il fallait attacher avec la forme de ses mains. Aide-moi. Attends, il te bloque, tu vois, hein, ça va t'aider. On ne supplie pas dans mon direct. Interdiction de supplier, interdiction de pleurer. Parce que vous-même, là, vous ne vous aimez pas. Aide-moi. Ce que tu es chez ta mère, tu m'as dit que ta mère ne peut pas. Les mères, là, quand vos enfants arrivent, là, à 20 ans, chassez-les de la maison. Chassez-les. T'aimes Dieu, t'aimes. Purée. Je le revois une autre fois, il voit mes téléphones. Oh. Il touche mon téléphone, il dit que mince, c'est ça que... Waouh, regarde comment c'est bien à ma main. J'ai regardé comme ça là. Si tu donnes le travail, tu ne vas pas faire. Tu viens d'arriver, je parle de quoi? Je t'enlève. Tu crois qu'il va arrêter ce qu'il s'en dit pour te dire ce qu'il dit? Ouf. Mal élevé que vous êtes là. Vous allez me suivre comme ça là. Vous ne faites donc pensez pour l'amour de vos enfants. I beg.
Premièrement, arrêtez de coucher, arrêtez d'accoucher. Arrêtez de faire l'amour. Vous mangez le chocolat de quoi? Ah, tu n'es pas romantique, hein? Parce que je bosse. Non, vous voilà. Je voulais faire l'amour. Et tu n'as pas l'argent. Tu es pauvre. Mais... il est beau, hein? Il est pauvre, ma chérie. Il est beau, mais il est pauvre, chérie. Mais un jour, j'ai quelqu'un de ma famille, je ne dirai même pas qui, que j'aime beaucoup. Quand je suis arrivée au Cameroun, ça fait 5 ans, je l'ai appelé, elle dit que viens, on travaille. J'étais encore dans ma petite chambre. Viens, on travaille. Ah non, tu sais, moi je travaille pour un milliardaire ici. Mon boss est un milliardaire. Mon boss est un milliardaire. Ok. Ok. Ouais, aide-moi s'il te plaît. J'arrive pas. Son loyer c'est 30 000, il n'arrive pas à payer. On t'a pas bloqué, tu es têtu. Tu es paresseux. Peu importe le blocage qu'on a mis dans votre vie. Sors, tu attaques. À un moment, le blocage va se fatiguer. C'est une course. Le blocage court avec toi. Il court, il te regarde. Tu cours, tu le regardes. 11h, tu es couché au lit, tu dors. Tu prends les réseaux sociaux, tu danses, tu montres aux gens. Je fais quoi ta danse? Hein? Tu te filmes, tu mets sur les réseaux sociaux. On fait quoi tes photos? Ça a donné l'argent? Un jour, il me dit, il va faire le visa. Après tous les bavardages que j'ai fait, il avait laissé le bac, il n'a pas fait. Bavardage, bavardage, il n'a rien fait. Je l'appelle que viens au travail. Chaque fois qu'il passe un peu, il regarde mes employés. Oh, telle personne ne fait pas comme ça. Je lui dis que tu critiques mes employés, pourquoi? Tu les critiques, pourquoi? Quand il m'a payé son visa, il a dit, oh, je veux 400 000. Je lui ai dit que comme je suis sorti 150 000, je lui ai dit que, regarde, ça c'est ma semence, ma dernière semence dans ta vie. C'est fini. J'ai donné. Ça n'a pas marché. 2 mois plus tard, il m'appelle. On m'a dit que j'ai l'enfant. Hein. Il m'envoie la photo de son enfant. J'ai dit, ok, c'est bien. Mon enfant est tombé. Il faut l'amener à l'hôpital. Tu vas découvrir le bonheur des responsabilités parentales. Tu vas découvrir la beauté. Papa, je veux le gâteau. Oh, j'ai pas l'argent, ton père est pauvre. Papa, je veux monter sur le manège. Oh, papa, je veux... Papa! Hey! Vouloir, c'est pouvoir. Je vais te bloquer. Je parle des enfants aujourd'hui. Si ça ne t'intéresse pas, tu sors de mon direct calmement. Que naïo, naïo. Pour le bien de cet enfant... fais quelque chose. L'enfant n'a pas demandé à naître. Beaucoup d'entre vous avez envoyé vos enfants chez vos sœurs. À la rentrée, tu dois demander un peu ici, demander là-bas, gratter ici, gratter là-bas. Tu n'as pas honte. Hein? Soka quoi? Mais... j'avais un ami, voilà. Tu vois, le dragueur qui te drague, tu as pitié de lui. Tu conseilles même souvent.
Il croit que comme il est mignon, là, on part à la banque avec. Je lui dis que moi, je suis belle. Regardez-moi. Je ne suis jamais allée à la banque, j'ai monté mon visage, on m'a donné l'argent. Jamais. Le banquier peut même te draguer, mais tant que ton compte n'a pas l'argent, tu ne reçois pas d'argent. Un jour, il dit que bon, je fais un pour que voilà 20 000 pour ton enfant. Fais-lui un cadeau. Deux jours plus tard, il me dit qu'il n'a même pas l'argent de taxi pour aller à l'école, pour aller au travail. Donc, hey. Elle n'avait pas à manger pour la semaine, j'ai acheté. Elle n'avait pas. Et c'est la même personne qui va te dire que je veux le parfum. Jesus. Mon premier enfant, quand je l'ai eu, j'étais jeune. C'était par amour. Oh, B, on fait l'enfant, non? Il dit, ok, B. J'ai accepté sa entrée. Il y a les jours où je restais, je n'avais même pas l'argent pour la couche de l'enfant. Et je vous montre pas à l'époque, j'étais bête. Hein. J'étais très paresseuse. Tu voyais, c'est une lourdeur qu'il y a souvent quand tu es jeune. Même les gens 45 ont la lourdeur là. Tu vois, la personne est nonchalante aussi comme ça là. Tu espères que c'est le gars qui va te donner. J'ai espéré que le gars donne, j'ai espéré que le dragueur donne, j'ai espéré que le père de l'enfant donne, j'ai espéré que mon père même donne, j'ai épuisé toute ma liste. Et je suis restée comme ça. Parce qu'elle venait d'accoucher. Heureusement qu'en Angleterre, on ne payait même pas. J'ai accouché en Angleterre. On ne payait même pas. Quand on t'opérait, tu ne payes pas les frais d'hôpital. Je rentre à la maison. On n'avait pas l'argent pour acheter le lait. Je me rappelle, je n'avais pas. J'étais seule à la maison, on m'avait fait la césarienne. Et je suis fatiguée, l'enfant pleure. J'avais mangé le custard cream, la crème anglaise. C'est vide, ce truc est vide. L'enfant pleure. Elle tire le sang, il n'y a rien. Moi-même, j'ai faim. Je n'avais pas la force de me lever pour préparer. Il n'y avait pas la boîte de quoi préparer, de toutes les façons. Il n'y avait pas le lait, je n'avais pas l'argent pour acheter le lait. Je me rappelle jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 14 ans. C'est resté dans mon esprit. Voilà ce qu'on dit. Non, Dieu ne peut jamais laisser un enfant souffrir. Je ne vous dis plus ça aujourd'hui. Planifiez la vie de vos enfants. Oui, envoie l'argent pour avancer ton kit. Après, elle avait 3 ans et demi. Je vivais à Péribas, en Angleterre. Le temps là, je crois que le cash machine de NatWest, il y avait un NatWest quelque part là-bas avec le carrefour. À l'époque, on veut retirer 5 pounds au compte banque, dans la machine. Et en rentrant le jour là avec l'enfant, j'espérais qu'aucune transaction ne soit passée sur mon compte. Et il fallait espérer qu'il n'y ait aucune transaction qui est passée. Il fallait espérer que la machine a encore des notes de 5 pounds. Je tiens la main de mon enfant, on arrive à la machine. Il me fallait l'argent 5 pounds pour charger la lumière. J'avais déjà utilisé mon overdraft. Parce que quand ça finit, c'est même pas comme au Cameroun, que quand ça finit, on ne remet plus. Donc quand ça finit là-bas, tu as maintenant 5 pounds. Donc quand les 5 pounds là finissent, tu es déjà en dessous de la limite. Donc la prochaine fois que tu vas charger, tu dois mettre 5 pounds. La machine va avaler d'abord les 5 pounds avant de mettre ta lumière au-dessus. Comme au Cameroun. Mais au Cameroun, il n'y a pas les dettes sur ça. Donc je leur devais déjà 5 pounds. Je me suis dit que, ok, si je charge 5 pounds, je peux utiliser ce qui est en dessous là. J'arrive à la machine. Je mets ma carte. Et dites-moi, je vais te bloquer. Je contrôle quoi sur quoi? Mof! Mof! Contrôle-moi. Mon conseil, vous ne comprenez pas. Bon, chogue, je vais maintenant beaucoup gronder avec vous. Parce que quoi que je suis léger avec vous, vous blaguez à votre vie. Je mets la carte dans la machine. Nous sommes désolés. Vous n'avez pas assez de insufficient funds. Je n'ai pas assez d'argent à mon compte. Voilà. J'étais habitué à voler le bus. Donc je savais qu'elle peut flasher ma carte comme ça là. Je fais comme ça là. Je passe. Mais mon plus grand challenge, c'était que quand elle va arriver, c'était en hiver.
La nuit, là, j'ai enveloppé ma fille dans deux couettes. On a dormi dans le noir. Moi, je suis resté hors du lit. Je suis là enveloppé comme ça, là. Je l'ai arrêté dans ma main. Voilà les jours qui ont fait que je me suis déterminée que je ne serai plus pauvre. Je vais travailler jusqu'à ce que ça donne. Premièrement, parce que je ne veux plus que mon enfant souffre. Je ne suis pas en Angleterre, je suis en Afrique. Je ne veux pas que mon enfant souffre. Deuxièmement, je ne veux plus la honte devant les gens. Quand la rentrée arrive, tu commences à écrire à tous les tantes. Tata, voici ta fille. Tata, tu es en train de gratter. Tu grattes. Tu aurais pu bosser, hein? You could have been working, mais tu préfères gratter les... Tu crois qu'eux-mêmes, ils n'ont pas les enfants? Les homonymes que vous donnez aux gens en désordre, là. Allez accoucher, vous donnez mon nom. Accoucher, vous me donnez le nom. Ah, t'as un bonbon. Pensez à vos enfants, s'il vous plaît. Et les gens ont toujours dit, Seigneur. Tu rencontres un mec, il n'arrive pas à payer son loyer de 30 000 le mois. Bé, je veux 4 enfants. Bé, je veux 4 enfants. Oh. Hey! Voilà les gens qu'on doit retomber en prison. Hey! Bé, je veux même 4, non? On doit fermer vos ici là. On vous empêche de faire l'amour. C'est vous qui êtes actifs. Vous faites les pompes sur les gens. Hein? Est-ce que tu veux conseiller le gars, écoute? Est-ce que tu veux conseiller l'écoute? Il va charger le fer sur toi, faire les pompes sur toi. Il dit que, mais regarde toi-même, tu es en train de souffrir parce que tes parents n'ont rien fait. Tu n'as pas fini l'école. On ne t'a pas positionné quelque part. Tu ne travailles pas. Regarde-toi. Même faire le cadeau à ta copine, tu n'arrives pas à faire. Oh. Oh mon gars, il est beau. Il est beau. Lorine, on doit fermer le cadenas. Tu fais l'enfant à une femme, tu ne peux pas t'en occuper. On te met en prison. Pour couronner le tout, tu as bien parlé, Lisa. Vos parents viennent vous demander l'argent. Papa, voilà ma logique. Hein. Voilà ma logique. Et mon papa, lui, connaît. Je te donne quand je peux et quand je veux. Si tu m'as énervé le jour-là, si le reste pense à quelque chose que tu m'as fait quand j'étais jeune, ça m'énerve. Le jour, ne m'appelle, ne me demande pas quelque chose. Il y a des saisons de ma vie où j'ai galéré. Tu aurais pu me positionner quelque part, tu ne l'as pas fait. Oui, je t'ai pardonné, papa. Si tu me positionnais, tu pouvais être en position de dire, ok, voilà, j'ai envoyé ma fille en Europe, j'ai payé ses études, vraiment, elle a fini. Voilà, vous duez le cadre, elle touche même. Si je prends le cas des Camerounais, c'est comme si on a lavé le cerveau des parents camerounais. Ils ne comprennent pas que leur suivi, leur assurance pour leur futur. J'ai dit à mes enfants toujours que je ne vous demande pas l'argent pour demain. Mais ne soyez pas dépendants de moi. Chacun a la limite 21 ans. À 21 ans, ne me demande quelque chose. Il dit que je vais payer l'école. Et tu refuses de partir. Oh my goodness. Et tu refuses de venir travailler dans mon entreprise. Bah, tu viens, tu t'assois, tu travailles comme les autres. Ne te dérange pas. Mon devoir, c'était de t'accoucher. J'ai porté quand tu es sorti, tu respires. Et t'es nourri quand tu as grandi. Tu n'es pas mince. Va.
Tu ne veux pas la bière? Va. Tu fais quoi chez ta soeur? Moi, j'ai fait mon bain de sel, ma soeur me dit de partir de chez elle. Hé, hey, qui là-bas? Tu as 2 ans? Je vous dis dans la vidéo ici chaque jour, sortez de chez les gens. Sortez de chez les gens. Si je reste chez ma mère pendant que j'économise, sors de chez ta mère. Pendant qu'elle me remet sur mes pieds. Depuis 4 ans que tu es revenu sur tes pieds, c'est quel genre de pied? Yay! Déborah, tu peux participer. Fais la demande. Je vais voir si Facebook me permet de te faire monter. Tu vois un jeune là, il ne pense pas à... Non. J'ai un enfant, j'ai un fils. Quand il voit ce que tu... Tu as eu l'argent hier, tu es parti acheter ton habit. Tu as acheté le parfum. Il y a les gens qui mettent leurs enfants en interdit bancaire. Oui. Maman, elle dit que tu pars chez ta soeur faire ton bain. Les voici, non. Si tes parents sont morts, tu as grandi sans aucun coup de pouce, tu fais quoi? Mais Laura, tu t'en sors? Tu es la seule qui sait ce qu'ils en est sorti seule. C'est quoi ces excuses bidons-là? Le seul devoir de ta mère, c'était de te porter, de ne pas t'avorter. Voilà tout ce qu'elle te devait. Et certains parmi nous, là, on a même essayé, ceux qui ont essayé de vous avorter, mais vous n'êtes pas sorti. Oui. Mais ta mère ne te dira jamais. Le secteur informel est payant au Cameroun. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ça paye bien. Bien sûr que oui. Vous parlez même de quoi? Tu vois un jeune, il est là-bas. Je veux faire un blanchiment de dents. Ou c'est blanchissement? Blanchissement. Je veux blanchir mes dents. Tu veux sortir 50 000, 100 000 pour aller blanchir tes dents. Hein? Et ton enfant n'a pas mangé. Hein? C'est la folie. La folie. Check les filles. Oh, je veux 4 enfants. Bébé, je veux. What the F? Bonjour, ma reine. Bonjour. Ma reine. Je suis très éblouie par vos messages et tout ce que vous dites, c'est quasiment ma vie. Mes parents sont décédés très tôt et ma vie a été toujours de maison en maison. Et pire encore, la maison là où j'ai plus vécu, et c'est la même personne qui a détruit, en fait, ma vie. C'était oncle ou tante, c'était quoi? Je parle toujours de tante paternelle. Si ce ne sont pas eux, c'est qui même? Oui. Ce sont toujours ces tantes. Et en moi, je sentais, en fait, je ne sais pas si c'est mon sixième sens ou c'est un don que Dieu m'a donné. Je ne voulais pas aller enfanter, en fait, à la capitale, parce que moi, je suis de Congo. Mm-hmm. Je ne voulais pas aller. Donc, ce qui supposait qu'il fallait que j'aille habiter chez elle, ma tante. Déjà, avant d'y partir, j'ai fait un songe où je voyais un serpent venir me mordre. Un serpent venir me mordre. Mm-hmm. Et les serpents m'ont mordu au poignet.
Et avant même cela, je faisais un songe encore où elle venait dans mon rêve, mais je ne voyais pas le visage. On venait me trangler et on me disait que toi, tu n'auras pas cet enfant. Et moi, je disais, j'aurai cet enfant, j'aurai cet enfant, j'aurai cet enfant. Et le jour même où mon enfant est né, elle était à l'hôpital. Elle était à l'hôpital, ma reine, elle était à l'hôpital. Mais ce n'est pas quelqu'un où elle te voit, tu as accouché et elle te dit, oh ma fille, voilà et tout. Au fond, je sentais que c'était déjà quelqu'un de aigri, mais je me disais, bon, c'est ma tante, elle m'aime beaucoup. Je viens de suivre vos vidéos aujourd'hui, j'ai dit, mais waouh, mais ça c'est moi. Ça c'est moi. Et son nom, Ça c'est voilà. moi. Ça c'est moi. Donc, d'une méchanceté, je vous dis, je ne vous conseille pas d'aller donner vos enfants à n'importe qui, même si vous souffrez, même si on souffre, de préférence, restez chez vous avec vos enfants. Éduquez vos enfants avec le peu que vous avez, c'est important. Mon enfant est né, il devait naître normalement. On dit qu'il fallait qu'il soit un enfant, donc sans raisonnement et tout. Donc son frontal ici là, Oui. au niveau du front, au niveau du front, au niveau de la tête, il y avait un creux. Il y avait un creux sur la tête. Oui. Il y avait un creux. Et moi je ne savais pas. Je l'ai laissé laver mon enfant le premier. Donc j'ai fait tout ça là. Alors qu'il fallait pas. Alors qu'il fallait pas. Et Wow. aujourd'hui, je rêve toujours d'une créature qui vient m'étrangler. Et depuis lors, c'est ma partie droite. Chaque fois, ce sont des maladies, maladies de rein, maladies de pied, maladies de la tête. Et tout ça, c'est parce que je vis des choses horribles, horribles, ma reine, des choses horribles, Ça veut horribles. dire que maintenant, quand tu te ressaisis et tu commences à travailler sur toi, tu t'éloignes de ces personnes, il y a beaucoup de rituels que vous devez faire. Mais le seul problème que j'ai avec vous, c'est juste qu'abord, tu dois d'abord être consciente. Le fait que tu prennes conscience que je dois m'éloigner. Deuxièmement, je ne dois pas dépendre financièrement de ces personnes. Je ne te comprends plus. D'abord. Déjà, je me suis mariée, je me suis mariée, ma reine, c'était catastrophique. Les jours même de mon mariage, à la veille, il y a le prêtre qui m'appelle pour me dire qu'il n'y a pas moyen qu'il puisse bénir mon mariage. Je ne sais pas pourquoi, alors que c'est elle qui m'avait proposé cette église-là parce que j'avais vécu dans le quartier. Elle m'a dit, c'est mieux que tu ailles là-bas, comme ça, les gens qui ne pourront pas venir à Intercesseur, la t'as soirée. dit elle. Comme ça, ils viendront juste à l'église et tout. Je veux que deux choses, ma reine. Je veux que deux choses. Donc, je prie que tu continues d'avancer. Amen. Et je viens Amen. m'accorder avec toi. J'enlève toute malédiction sur toi et sur ton enfant et tes futurs enfants. Nous venons Amen. mettre une barrière de protection autour de vous. Ainsi Amen. soit-il, au nom de Jésus. Voilà. Amen. Merci pour ta Amen. contribution, hein, ma chérie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fais que je Marie. te lave avec Merci du beaucoup. sel tous les jours. Amen. Merci. Merci beaucoup. Merci. Malheureusement, en fait, souvent quand je vois certaines personnes agir, c'est comme si on les a bloquées de l'enfance. Tu vois quelqu'un, il connaît que je peux faire ça, je peux faire ça. Mais il ne fait pas. Je peux, mais il ne fait pas. Certains parmi vous, depuis l'enfance, on vous a touché. Claude Claire. Attends, je vois. Donc, on t'a touché depuis que tu es petit. Ça va prendre du temps pour que tu te restaures. Dis souvent que n'ayez pas peur. Sortez des maisons là. Maison familiale, aux tantes, aux oncles, tout ça. Sortez. Parle alors. Bonsoir, ma reine. Bonsoir, comment tu vas? Ah, ça ne va pas, mais je suis là, je me bats. Non, tu vas pousser, pousse. Pousse, tu mets la cale, ça ne veut plus rentrer. Tu as demandé à passer ici pour. Pardon, ma mère. Dis alors, tu
tu voulais parler de quoi? Bon, moi particulièrement, je vous ai écrit un temps sur votre page personnelle. On a échangé par message. Je vous ai expliqué un rêve, mais je n'ai pas eu de... Je ne fais pas les rêves ici, là. Je ne fais pas les rêves ici, là. Interprétation des rêves est payante. Si tu me suis depuis un bout, tu dois connaître. Je ne veux pas que tu montes pour me déranger. Vous me connaissez. Moi, je bloque même souvent. D'accord. Donc, ne te bloque pas. Voilà. Vous voyez pourquoi je n'aime pas souvent faire rentrer les gens dans mon direct. Parce que vous venez ici, là, vous voulez me déranger. Quand tu rencontres l'homme, je vous parle tous les jours comme ça, là, vous allez rencontrer encore ce soir. Oh, j'ai rencontré un mec, il est beau. Il est beau. Il vit chez son frère. Il n'a même pas 20 000 qu'il a déposé en économie. Fuis. Troisième chose, il ne bosse pas. Fuis. Donc tu peux fuis avec les. Prends le balai magique, tu fuis. Tu montes dessus, tu fuis. Il est chrétien. Voilà ce qui vous prend. C'est ça, il est chrétien. Non, il aime Dieu. Il aime Dieu. Il est... Vous êtes bête. C'est aujourd'hui que je suis associée, je me suis dit que waouh. Parfois, il peut chercher le genre de bon pain qui va s'occuper d'elle financièrement. Alors qu'il y a des gars ici dehors que même pour eux-mêmes, pour vivre, c'est chaud. Hein? Hey! Le pain marital, c'est si vous êtes deux, c'est 20 000. Tu avais fui un gars parce qu'il t'a demandé l'argent des beignets. Il vient chez toi, il voit ta maison, il entre dans ton frigo, il voit le saucisson. Vous connaissez la fête du saucisson avec les gars pauvres, non? Quand un gars voit le saucisson dans ton frigo, ce que tu as brisé. Tu as réussi. Jusqu'il ouvre ton frigo, il voit le saucisson. C'est bon. C'est bon. Baby, nobody's know me like you know. Oh, baby, ma femme de ma vie. Souvent, quand il arrive chez toi, il chante encore bien. Il t'appuie encore bien comme ça parce qu'il a vu dans ton frigo. Je suis pas marabout, je suis comédienne. Je fais la comédie, papa. Je suis comédienne. Vois comment les gens rient. Je suis pas marabout, pardon. Il voit ta télé. Hé! Hey, elle a la télé chez elle. La télé de 70 pouces. Hey. Il y en a qui ne connaissent même pas payer l'abonnement de Netflix. Tu es seul, tu payes 15 000 carats. Tu es seul, hein? Maman, même l'abonnement, il ne connaît pas renouveler son abonnement. Oh, mon crédit était fini. Hein? Mon crédit était fini. Hein? Mais le frigo avec le saucisson. Beaucoup d'hommes ici dehors. Tu le vois, il est bien beau. Et ouais, il va à la gym. Ouais. Il n'a pas l'argent. Hommes là, pardon, pensez à vos enfants. Koulibaly, tu veux me dire que je suis belle, hein? Il ne dit pas que non, je vais travailler, je vais bosser, non. Je vous en prie. Voilà, en venant, garde-moi ce que tu as préparé. Les voilà. Regarde tout. Il te dit, ouais, prépare-moi telle chose. Tu vois, il ne pense pas qu'il peut t'envoyer l'argent pour que tu prépares. Dangereux. Run. Merci, CB. Fuis. Bloque-le.
Supprime ton numéro de ton répertoire, que ton téléphone ne fasse pas l'erreur. Tu as préparé quoi? Je viens manger. Oui, bien, je voulais lancer mon petit business là, non. Il dit, ah, c'est bien, il faut faire. Parfois, je me demande que, mais tu ne me vois pas comment je me lève et travaille. Comme je me lève, on s'est dit qu'elle n'est pas bossée. Voilà, j'attends toujours un argent là, un argent là. Et c'est qu'entre-temps, quand il te dit comme ça, tu vas trouver une solution. Et quand l'argent là arrive, il ne te donne jamais. Je parle aujourd'hui aux hommes, les jeunes qui vont m'écouter. Les hommes là. Ne faites plus beaucoup d'enfants. Si ton fils a un problème, je suis fait ici pour, je fais pas mes directs pour résoudre les problèmes des gens, chérie. Tu écris. Tu écris là-bas, il y a mes numéros sur la page. C'est le jour où tu vas voir que je ressens quelque chose pour le gars. Mais j'ai pu lui dire non. Il m'a dit, oh, je veux manger. Et oh. J'ai dit non. Ouais, prends-moi un peu de ton argent. Je sais que tu as l'argent. Prends-moi un peu. Je vais d'abord faire ça. Après, je te. Le jour où tu dis non, c'est là que tu sais que tu as avancé. L'autre me dit, il dit que viens, donne on travaille. Non. Il me dit que mon fils est aux urgences. Je suis désolée. Et Dieu ne va pas me punir parce que je n'ai pas donné l'argent pour que tu t'occupes de ton fils. Je vous assure, Dieu ne va pas me punir parce que je n'ai pas donné l'argent pour ton fils. Souvent, ils accouchent d'enfants, ils n'ont pas donné à leur soeur. Si tu as l'enfant de ton frère chez toi et tu t'en occupes, mettez, je fais dans le rêve. Lundi, tu l'appelles comme monsieur. On est lundi, non. Monsieur, envoie la ration de la semaine de ton enfant. Pourquoi est-ce que vous allez piner, vous mettez les enfants dans les vents des gens? Il n'est pas l'argent pour payer la césarienne. De ma fille. La femme t'a dit depuis 7 mois. Supposons t'a dit à 2 mois de grossesse. Tu as eu 7 mois pour préparer quelque chose, mettre de l'argent de côté. Si ta copine est enceinte, tu es en Afrique, garde l'argent de l'urgence s'il y a une césarienne. C'est pour ça que la famille de la fille va te manquer de respect à jamais. Leur fils se retrouve entre la vie et la mort. Il faut faire une césarienne d'urgence. Te voilà, il n'a rien. Maintenant, il faut qu'eux, ils se concertent pour cotiser et sauver leur fille. Les jeunes filles qui m'écoutent, avant d'aller ouvrir vos pieds pour qu'on mette les choses dedans. Mon numéro est dans ma bio, chérie. Je ne fonctionne pas avec les urgences. Si ton cas est urgent, ne me contacte pas. Je ne fonctionne pas avec les urgences. Parce que quand on vous conseille, vous ne faites pas. C'est quand c'est urgent que vous venez me voir. Je ne fais pas. OK? Après, il veut le nom. Le nom. Le nom. Mon numéro est dans ma bio. Je n'ai pas pu. Voilà mon numéro dans la bio. Tu veux le nom? Tu veux le jus? Pensez de façon pratique. Proactive. Soyez pragmatique dans vos façons de faire les choses. Chérie, chérie, quand elle dit que chérie chou, c'est ça ton nom. Ne prends même pas mes numéros, ne m'écris pas. Quand elle voit ta question, je ne vais pas te dire la vérité. Je ne fonctionne pas avec les urgences. Je m'assois ça que je suis là, j'enseigne pendant 3 heures de temps. Vous n'écoutez pas. Après, vous avez venu dire que vous avez les urgences. On parle, vous n'écoutez pas. On parle, vous n'écoutez pas. Je ne fonctionne pas avec les urgences.
doit mériter sa place sur l'acte de naissance de ta fille ou de ton fils. Je vous le dis calmement et cash. Pendant la grossesse, tu peux voir celui qui est sérieux ou pas. Un enfant n'est jamais mort. J'ai pas encore vu un enfant qui est mort parce que, oh, après un mois, il n'y avait pas de nombre de pères sur son acte de naissance. Cause du décès, manque de pères. Le jour où vous trouvez ça, vous venez avec me montrer. C'est pas urgent, tu t'amuses. Ok, attends, il te bloque. Je vais t'amuser sur ma page. On n'a rien à faire. Voilà, fais tes bêtises là ailleurs. On parle des choses sérieuses ici là. Tu ne veux pas passer, tu quittes. Buveur de jus. Qu'on ne vous fasse pas le chantage. Femme, que l'homme ne... Tout ce qu'il a fait, il était donneur de sperme dans une partie de plaisir. Partie de Jean Balais qui t'a donné plaisir à lui et à toi. C'est toi qui vas faire les visites, c'est toi qui payes. C'est toi qui tout le temps dit que ouais, ouais, préparons la layette, non, ouais. C'est à 8 mois de conseil qui te donne un peu d'argent. Tu lui donnes le nom en vêtu de quoi? Souvent, quand j'écoutais les histoires des femmes qui ont accouché, elles sont battues de l'enfant à un autre homme là. Je ne comprenais pas bien. Une femme s'est assise. Elle a dit que, gars, lorsqu'elle voit la lue du gars là, c'est vraiment un bon parleur. Elle portait, va voir un autre homme. Je n'encourage pas moi ça. Mais c'est quelqu'un. Elle a science, elle a réfléchi avec sa tête. Te voilà. Lui, c'est ton enfant. Il y a les hommes même qui traumatisent l'enfant. Comment ça? Réfléchis, s'il vous plaît. Jeune homme là, que tout a pas seulement aller faire l'amour avec les filles. Pense à ce que tu vas donner à tes enfants demain. Je sais que ça ne vous traverse pas l'esprit. Et si tu es une femme, tu as déjà fait l'enfant avec une personne, tu as un enfant que tu as déposé là. Cherche ton avenir. Arrête d'aller piner n'importe comment. Arrêtez. Oh, il m'aime, je l'aime. Je dois aller bosser. Monsieur, je dois aller bosser. Je dois causer l'argent pour la pension de mon enfant. Oh, il était beau. Ah, il m'a amené en week-end. Il part en week-end et tu dépenses 250 000. Quand tu lui demandes 250 000 pour ton enfant, comme ce n'est pas son enfant, il ne te donne pas, n'est-ce pas? Hein? Allez ouvrir vos pieds. Allez ouvrir. Quand tu restes, tu vois les autres gens. Écoutez, hein? Toute personne que tu vois aujourd'hui pour offrir quelque chose à son enfant, il bosse pour ça. Il bosse. Et je ne veux pas te mentir. Si tu m'écoutes à cette date-ci, on est le 22, quelque chose, 26 février. Et tu n'as pas encore accouché. Prends ta décision personnelle. Mes enfants ne naîtront pas dans la pauvreté. Je sais ce que c'est que de demander. Les premiers habits que ma fille porte sont les habits de seconde main qu'un enfant. Je ne sais pas qui avait porté ça avant elle. On a appris que je choisis très ta part dedans. Ma fille est née avec 4 kilos une fois. Pam! Mon moitié des habits n'en suffisait pas. Ah.
C'est quelqu'un qui voulait donner au charity. On lui a dit que tu étais enceinte. Il a porté, il m'a donné. J'avais 22 ans à l'époque. Neuf ans avec ton boyfriend sans enfant. Les gens voient comme la magie. Voilà. Tu lui as dit que c'est ta propre vie, non? Tu as accouché, on te dit qu'une boîte de lait. Une boîte de lait de 3 500. La boîte de lait, c'est combien au Cameroun maintenant? Ton enfant te finit ça en 3 jours. Tu vois? Nya, nya, nya. Nya, nya. 2 jours, c'est fini. Tu dis, yes, papa, j'ai accouché l'enfant. La belle famille vient te visiter. Ils viennent avec la nourriture. En partant, il faut que tu donnes l'argent. Hein? Quand c'est un grand prématuré, le lait coûte 20, 22 euros. Un paquet de blédine par jour. Par jour. Hey, donc, l'enfant du blanc. Aïe, aïe, aïe. Non, pardon. C'est que la femme, la mère de l'enfant, elle va produire que le lait. Tu vas manger, tu vas produire le lait. Oui, par exemple, si tu manges pour vous deux. Alors que si l'enfant mange, on va faire ta part, on va quoi faire pour l'enfant. Tu vois, mes petits, la femme a accouché, ça fait peut-être 6 mois. La famille vient en congé chez eux. Plein, on lui envoie 7 enfants. Je dis, mais c'est que ça de belle famille, ça. Vous m'envoyez en vacances, en congé, 7 enfants, les nouveaux mariés. Ça fait à peine un an qu'on s'est installé. On vient d'accoucher. Yes. Tu voulais être papa, non? Oh, papa, tu vas bien faire le père là. Un et demi par jour. Merde. Claude Claire. Oui, il faut écrire. Tu as appelé hier. 3 jours. Une boîte de lait qui coûte 5 000. Divisé 5 000 par 3. Ah. Et, il y a des hommes qui... C'est leur stratégie. Ils t'envoient chez ta mère. Imaginez qu'elle l'achetait. Il sait que quand c'est chaud, c'est ta mère qui va sortir un peu d'argent. Si ta mère me donne même 3 jours, lui donne 2 jours. Pourquoi? Why? Pourquoi? Il fuit, il revient. Il fuit, il revient. Il sait qu'il va revenir, l'enfant aura grandi. Voilà, tu lis leur maintenant, non, ma chérie. Va encore porter le deuxième enfant, tu mets dans ton ventre. Tu vas voir. Ma chérie qui m'écoute, si tu as déjà un enfant, règle, priorité numéro, cherche à mettre de l'argent de côté. Il y a l'école de l'enfant. Elle dit qu'elle veut, même la fausse couche, elle ne veut plus. L'école de l'enfant. Noël. Pâques, les fausses fêtes qu'on invente pour faire que tu achètes les choses aux enfants là. Ça ne doit pas souffrir de quelque chose. Nadia, il faut dire à ta soeur qu'elle donne son nom à l'inbox pour qu'on la débloque. Mais que si elle vient dans mon direct, elle fait encore ses gnignignignin, je la bloque. Tu as compris, Nadia? Dis à ta soeur. Voilà. Trois à quatre boîtes par semaine. Voilà. Ah, c'est toi les astuces de Sandy. Oh. Ah, yeah. Attends, elle avait dit ça. Toi, tu m'avais énervé tout à l'heure, astuces de Sandy. C'est toi qui n'avais pas l'argent pour payer l'abonnement. C'est toi qui n'avais pas Internet.
Non, non, tu ne te mets pas. Tu n'avais pas Internet pour me suivre, pour me laisser. On vous parle, vous êtes toujours pauvre. On parle n'importe comment, vous êtes toujours pauvre. Hey, Laurence Menge, je te pense que tu es bloqué. Hein? Je bloque quand tu veux intercéder pour la personne. Je vous bloque, vous deux. C'était juste en passant. Je continue mon live. J'ai déjà enregistré ça hier. Tout ça, j'ai déjà enregistré. Ce que tu es en train de mettre là. T'es dit que tu dois assurer, mets l'argent de côté pour anticiper. Beaucoup de jeunes n'aiment pas anticiper les choses. Comme on l'est là, tu connais qu'en avril, on va dire qu'il y a la Pâque, non? Après, tu sais qu'il y aura la rentrée qui arrivera, non? Après, tu sais qu'après la rentrée, il y aura Noël qui arrivera, non? Si tu rates encore un événement de ton enfant, ah, ouais, je n'avais pas prévu, c'est ta faute. Me suis? Le tout, ce n'est pas d'habiller les enfants, les Air Max et tout ça. Je ne fais pas ça de dépenses sur mes enfants. Mais il y a un certain minimum. Je ne blague pas avec l'école. Tu peux avoir pour, tu peux, il y a une école peut-être que tu vises depuis où tu vas envoyer ton enfant. Supposons l'école là coûte 300 000 et actuellement la femme part de l'école de 150 000. Si chaque mois tu mets 50 000 de côté, mars, avril, mai, juin, juillet, en août, tu auras 300 000 pour payer l'école de l'enfant en septembre. La duchesse, bonjour. Je t'ai dit hier que j'allais te bloquer et je te bloque aujourd'hui. En train d'essayer, tu vas me balayer les yeux miroirs comme si j'en avais quelque chose à foutre. Crois que je suis pas impressionné par vos noms, hein. Je t'ai dit hier que tu étais à 70% blocable sur ma page. Y en a parmi vous que les enfants, les pères de vos enfants n'ont plus droit d'avoir accès à la vie de vos enfants. Parce qu'ils vous déstabilisent. Ils déstabilisent l'enfant. Non, non, ne t'inquiète pas. Je prévois déjà à la rentrée, là, c'est moi qui m'occupe de l'enfant. Vers où tu commences à lui écrire, il te dodge. Mamie, mamie, bêta, tu as l'argent. Et il te donne sa part. Prends l'argent que tu avais gardé là, tu peux mettre dans le compte de l'enfant. Au lieu que tu te retrouves, tu n'as rien gardé, lui aussi, il ne veut pas, il n'a pas prévu. Comme ça, tu te retrouves, tu mets l'enfant dans le code de 90 000. Et je vous dis, un enfant n'est jamais mort parce qu'il n'arrive pas à parler à sa mère ou à son père. Parce qu'il y a aussi des mères très irresponsables. Si c'est moi qui fais tout dans la vie de l'enfant, malheureusement, certains d'entre vous, vous êtes partis vous marier, vous avez fait l'enfant là-bas. Maintenant, il y a le juge au milieu. C'était pour vous. Quand je partais signer l'acte, c'était sucré, non, il n'était pas là. L'autre là, tu vas gérer. Ça veut dire que tu es obligé de lui monter l'enfant. Tout commence à la base. Qu'on ne te conduise pas pour mettre le nom sur l'acte de ton enfant. Non, tu sais, il faut mettre mon nom sur l'acte. Oui. Il a fait, tu as mis le nom. Non. Il est où maintenant? Il est où? Tu veux voyager avec l'enfant, tu arrives à l'aéroport. Oui, est-ce que vous avez l'autorisation de la du père? Réfléchissez bien. Oui, Miss Temer est toujours gentil.
Un enfant n'est jamais mort parce que il n'avait pas de mère. Quand l'autre personne arrive à chaque fois, quand tu sais déjà que je suis une place, pas de père dans la vie de l'enfant, si ou pas de mère, je vais sonner la cloche, enlever vos écouteurs. Oui, même Miss Desboises est aussi gentille. Quand tu as déjà déterminé tes paramètres par rapport à ton enfant ou tes enfants, si c'est que tu sais que je peux supporter l'école de 100 000 par enfant, mets tes projets. Si à la rentrée, se rappelle, parce que tous les trois années précédentes, tu courais derrière lui. Se rappelle, il veut donner, pas de problème. Mais n'échoue pas quelque chose parce que tu n'avais pas prévu. Soyez prévoyant. Arrêtez de faire souffrir vos enfants. Et c'est l'enfant-là qui va te motiver pour que tu sortes pour aller travailler. Va chez ton oncle. Dis à ton oncle qui t'achète la chaussure. Vous êtes fous. Vous ouvrez les portes pour qu'on bloque vos enfants. Prévois. Septembre, c'est dans 6 mois. Ok. S'il veut payer tel nombre d'argent pour l'enfant, pour la rentrée, tu peux même mettre un business sur pied maintenant que ça va te donner l'argent même en juin ou en juillet. Tu portes ou tu commences même ton team. Ouais, il y a tellement de choses. C'est quoi ça? Ça fait que tu te retrouves à la dernière minute. Oh, j'ai demandé à ton père, il ne m'a rien donné. Arrêtez. J'ai dit que quand tu as derrière l'enfant, si l'enfant ne vit pas avec toi, priorité numéro 1 ou numéro 1, cherche l'argent. Prévois d'abord. Mets ton tableau. Voilà les périodes importantes. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Quand tu as stabilisé, l'année qui suit, peut-être tu veux upgrade l'école de l'enfant. Peut-être pendant 3 ans, il part dans une école où c'est 150 000. Et il y a une des grandes écoles de ta ville où tu dis que je veux bien que mon enfant parte là-bas. Tu peux bien prévoir et dans 3 ans, tout ce qu'on planifie, on peut atteindre. Dans 3 ans. Peut-être il y a les cours de golf. J'ai reçu une dame l'autre jour, elle me dit qu'elle veut que son enfant fasse des coups de golf. Tu peux dire ok, je veux que l'enfant fasse des coups de golf ou d'équitation. Et ça va te coûter peut-être 200 euros le mois. Ok. Dans 1 an et demi, avec tous les investissements que j'ai faits, je pourrais. Parce que nous, en Afrique, on paye l'école, hein, c'est pas comme... Et tu peux même être en Europe. Tu décides que dans 3 ans, mon enfant sort de l'école publique. Il va dans l'école privée. Tout ce qui est gratuit, ça m'a toujours... Ça fixe toujours un jour dans ma tête. Ah non, c'est l'État qui paye. Nous, on ne paye pas l'école ici. Hein. Parce que les gens là connaissent qu'il y a les coins, il y a les quartiers. Je me rappelle quand j'étais en Angleterre, il y avait Sutton Coldfield à Birmingham. Sutton Coldfield. Pour trouver la place dans le HLM là, les logements de l'État, de ce côté là, c'était difficile. Trouver la place dans les écoles publiques de ce côté, du côté des riches, c'était difficile. Mais toi-même, tu peux décider. Private school, par exemple, je sais pas, le private school en Angleterre, c'est combien? C'est 10 000 pounds le trimestre, je sais pas, c'est combien l'année? On sait que si un parent moyen touche 20 000 pounds l'année, en Angleterre, il ne peut pas payer 10 000 ou 15 000 pour l'école de son enfant. Tu vas toucher, votre maison touche en tout 30 000 pounds. Vous n'allez pas prendre la moitié pour aller payer l'école de l'enfant. C'est pour ça qu'ils ont conçu des choses pour vous garder dans une certaine classe. Règle numéro 1, arrêtez de pondre les enfants. Fermez vos pieds.
Parce que si tu es seule à t'occuper de l'enfant, vous savez, les femmes, que quand tu accouches, la grossesse et l'après, le postpartum, ça rend une femme. Quand une femme décide de faire un enfant, elle passe sur au moins 18 mois de vulnérabilité. 18 mois de vulnérabilité. 9 mois pour la grossesse. Sur les 9 mois-là, on peut dire, prenons 6 pendant lesquels sera un peu goudou. Après avoir accouché, tu as au moins un an. Pour t'occuper de l'enfant et pour que ton corps revienne. Donc là, on va sur 18 mois à 24 mois. Apprenez à faire face aux situations, faites face à la réalité. Et si tu n'as pas mis un business sur pied ou des activités, même celles qui ont les pensions, pensions quoi, quoi, congé maternité, l'argent qu'on donne, ce n'est pas comme si c'est énorme. Vous comprenez? Commencez à réfléchir comme les gens qui comptent devenir riches. I plan to become rich. Le riche ne réfléchit pas comme l'autre. Imagine peut-être en 5 ans, tu travailles un an. Les 4 années, là, tu es en train de faire 3 enfants. Tu répètes l'opération 2 fois. Ta vie est en train de finir. Ne vous trompez pas avec les TikTok que vous voyez les gens ont 7 enfants-là. Attendez, pas chez mes allumettes. Te voilà. Pas fait beaucoup d'enfants. Tu as fini l'école, ça fait 5 ans. Tu n'as jamais travaillé parce que tu as couché. Tu commences un business quand tu veux le stabiliser. Grossesse. Grossesse. David, bonjour et merci. Tu portes. J'ai quand même mon enfant, non? J'ai quand même mon enfant. Regardez un peu le genre de futur que vous donnez à l'enfant. Il naît. Tu n'es pas prêt à le recevoir, même quand tu te vois les yeux. Tu l'entretiens dans la pauvreté. Tu n'as pas l'opportunité de lui donner un bon start, un bon départ dans sa vie. Tu penses que c'est un bon départ, mais tu sais que tu aurais fait mieux, pu faire mieux que ça. Là où tu le déposes pour qu'il commence sa vie, tu ne lui as rien donné. Pas d'argent pour commencer. Pas une éducation qui est bien payée. Kimpa, il faut écrire-moi en inbox. Mon suivi spirituel, 150 000 francs le mois. Je travaille sur toi. Il y a les abonnements même. Tu payes ton abonnement même sur 6 mois. Tu sois 900 000. Comme ça que te voilà. Tu ne donnes pas de terrain que tu as donné à l'enfant pour commencer sa vie. Pas de bonne éducation. Quand même mon enfant, et c'est quoi son avenir? Je prie que Dieu m'ouvre les portes pour mes enfants. Lorine, tu voulais dire quoi en fait? Ta grande avait un boulot chez Bouygues. À peine elle veut signer, net grossesse.
Moi-même, le manager, je la chasse. Je te chasse tout ce que ça a le goût. Oui. Tu vois, c'est l'entreprise de ta mère ou de ton père. Comment te comprendre que non, tu peux dormir. Parce qu'ils savent. Ah, que malgré la pauvreté, elle a quand même son enfant. Hein, Linda? Moi, je comprenais pas ce qu'elle a dit. Vous voilà. Oui, malgré la pauvreté, j'ai quand même mes enfants. Tu es la nuit sur le lit comme ça, là. Est-ce que vous savez qu'il y a les prières que vous priez à Dieu? Que si vous devenez intelligent, vous n'allez même plus. Seigneur, aide-nous à payer le loyer. Seigneur, vraiment, qu'on puisse manger bien aujourd'hui. Réfléchissez, mesdames et messieurs. Si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, mon enfant ne va pas mourir de faim. Je pensais ça avant. Hein. Je pensais ça avant. Mais dis donc, shifté. Quand tu arrives, tu vois comment les riches. Et les riches sont prévoyants. Les riches sont prévoyants. C'est rare de voir un riche qui n'a rien mis de côté pour son enfant. C'est rare. Tu as rêvé que tu as mangé la viande et tu es pauvre. Hein, Vanessa? Je rêve que je mange la viande et tu es pauvre. Ça ne t'inquiète pas. Appliquez mes conseils, oh. N'appliquez pas, oh. On va tous lire l'heure demain, non? C'est demain qu'on verra les résultats, non? Celle qui se console avec les enfants sans un réel avenir pour eux, ce ne sert à rien. Moi, j'aimerais que Dieu bénisse mes efforts pour que je puisse bien les élever. Mais à partir d'aujourd'hui, on ne fait plus les erreurs là. À partir de... Dans le soir, quand il va te toucher là, tu dis que quoi? Soit tu fermes les pieds, soit tu prends le truc, tu mets au-dessus. Ce n'est pas parce qu'il t'est épouser qu'il a le droit de faire cet enfant. Quand tu restes comme ça là, j'ai rencontré une amie de classe, une ancienne. Leur père était l'un des hommes les plus riches de la ville où j'ai grandi. Ce qui fait qu'eux, ils avaient toujours. Je suis là, j'arrive un jour dans un grand restaurant. Je ne donne pas les détails. Je vois une maman avec son enfant. L'enfant portait la Bigucci, s'il vous plaît, au Cameroun. Tu vois, j'ai un enfant que tu sens que. Chino Sofa. Et elle avait des conversations avec l'enfant de 11 mois. Oh, tu veux pas manger ça? Allez, ouvre la bouche. Je suis allée passer mon ancienne camarade de classe. Je passe, après elle m'appelle, elle m'appelle, Jocelyne. Elle dit, oh my God. Non, 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 tu sentais qu'ils n'ont pas de soucis dans leur vie. Tu vois, seulement la gourmette que l'enfant a sous la main. Quand tu prends ça, ça va même t'acheter même ton téléphone. Parce que leur père a planifié. S'occuper de l'enfant seul n'est pas facile. Apprenez de vos erreurs. J'ai deux filles. La première est chez ma mère pour que j'aille. Pour que tu aies la troisième. Hein? Tu as laissé ton enfant chez ta mère pour accoucher l'autre. Tu es folle. Hein, mamie? Pourquoi ne pas prendre les méthodes contraceptives naturelles sans son accord? Moi, j'ai fait beaucoup de recherches. C'est très intéressant. Sur les graines de papaye. Faites vos recherches. Pardon, je n'ai pas dit que les graines de papaye empêchent d'avoir l'enfant, pardon.
C'est possible de faire un pacte de l'urine avec un homme. Et ça donne l'argent. Voilà, tête est bloquée. Pas venir déranger mon direct. C'est des gens qui sont buveurs de jus. Voilà l'autre. Ma pardon, moi, rien ne va. La petite relation que j'avais, le gars ne veut plus. Ingrid, tu fais l'argent. Arrête après de boire le jus. Écoutez seulement ce que vous dit. Lavez vos cerveaux, s'il vous plaît. Souvent, tu vois les femmes ici. Je veux l'enfant. Je reçois mes enfants. Tu n'as même pas l'argent pour payer ton loyer. Hein, mamie? Je reçois. Reçois ton mariage. Amen. Tu es mariée à tous les prix, n'est-ce pas? Tanner. Recevez mon mariage. Au nom de Jésus. Vous allez regarder comment ils vont dire amen. Oui, reçois tes enfants, miracle, tes jumeaux. J'ai failli se casser, dit même que vous recevez vos enfants. L'autre disait que le célibat est bien. Bon, les prophéties que je vais donner, c'est pour ceux qui ont l'enfant, c'est pour ceux qui ont l'argent, pardon. Ok. Je ne veux que les femmes qui peuvent s'occuper de leurs enfants ici. Bon, recevez maintenant. L'enfant que tu cherches depuis là, reçois maintenant. Je n'arrive pas à me pointer ici pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je dois vous dire ce que vous devez entendre. I must tell you what you must hear. Et puis, je dis qu'on ne veut plus. On ne veut plus les enfants. Ce n'est pas n'importe quelle prière qu'on dit amen. Hein? Je crois que le gars, il est dans Alice au pays des merveilles. Il est dans Alice au pays des merveilles. Il est vraiment dans Alice au pays des merveilles. Il m'avait dit qu'il payait ses employés 70 000 chacun, 75 000, 80 000. Il m'avait sorti les factures de 100 000. Dis-lui que j'arrive. On va bavarder là-dessus. Comme ça. Dans Alice au pays des merveilles. Pour vous, on ramasse l'argent. Tu as payé la consultation quand? Tu as payé combien? Diamond, bonjour. Plus bonjour. Tu veux consulter? Tu avais une femme qui a la tête comme moi. Les femmes comme moi sont très rares. Imagine ton enfant quand il a 15 ans, il a l'argent dans son compte bancaire. Il y a même deux terrains que tu as mis pour l'enfant là. Tu as mis ton entreprise jusqu'à ce que l'enfant, il ne va pas manquer de quelque chose. Donc, comme tu as souffert quand tu grandissais là, ça ne t'a pas, tu n'as pas pris une leçon. Tu n'as rien appris.
Je dis que non. Il faut qu'on ait même 4 noms. Tu n'arrives pas à payer ton loyer. Les visites médicales de 30 000 par mois, tu ne les payeras pas. Tu veux 4 enfants? Mes consultations, ce n'est pas 35 euros, chérie. Ça, c'est la lecture de cartes. Ton écrit en inbox, je suis sûr qu'on t'a sûrement oublié. Ton écrit encore, c'est les lectures. Mes consultations, c'est 125 euros. Donc, sur les 35 euros, ça correspond à environ 20 000 francs CFA. Ça, c'est pour la lecture des cartes. Donc, écris encore en inbox. On va te mettre dans la liste. Je vais faire ça tout à l'heure. Comme vous ne connaissez pas, quand vous tombez sur mes vidéos, suivez-moi d'abord. Je suis dans ma chérie. Toute la souffrance que tu as traversée, certains d'entre vous, vous avez Bosa. Tu as traversé la mer, les choses pour arriver en Europe. Tu ne penses pas que si tu arrives là-bas, tu tombes encore dans les griffes de quelqu'un qui vient gâter tout. Tu t'es battu autant, ma chérie. C'est pour tomber là-bas pour qu'un homme encore te boue les enfants dans le ventre. Il te laisse pas. Rose, tu dis que c'est compliqué. Le père a fui quoi? Les pères qui ont fui là, c'était la bénédiction pour vous. Il aurait pu rester. Il est le fardeau. L'enfant est le fardeau. Donc, tu n'as pas, il te laisse avec ton enfant. Donc, tu vas changer la façon dont tu parles de ça. Oui, je travaille à distance. Donc, ta soeur et toi, vous pouvez faire le bain marital à distance, pas de souci. Réfléchissez, non. Et je vous parle de déstabilisation parce que ces personnes, en ce moment, c'est comme s'il y a un esprit dans son corps que quand. Quand il sent d'abord, tu vas te mettre tes choses sur la route. Et quand un homme te quitte, il te laisse avec l'enfant. Ton objectif, ce n'est pas de te remarier pour lui montrer que tu as brisé. Arrêtez vos bêtises là. Ça, c'est souvent ce que vos amis vous disent. Tu vas rencontrer un autre homme. Il croyait même que quoi? C'est là que tu vas tomber sur pauvre. Après, tu vas tomber sur pauvre plus plus. Ton objectif, ce n'est pas de chercher l'autre homme. C'est le désespoir là qui va encore t'envoyer. Non, on ne fait pas le genre d'erreur là. Ok, tu es parti, tu vas laisser avec l'enfant hein, ou les enfants. D'accord. Parce que souvent, quand tu as mis les choses en place, ok. Bon, le premier, comme tu as 14 ans, quand tu rentres de l'école, tu gères les enfants pendant que je suis encore au boulot. Quand je rentre, les mamans de mes, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, j'ai dit, deux enfants de deux pères différents. Ça, ce n'est même pas un problème. C'était les donneurs, mamie. C'est quand tu es parti dans la banque. Tu es parti dans la banque pour faire, pour prendre le sperme. On a donné de deux pères différents. Donc, il faut qu'on laisse les clichés qu'on va mettre sur les gens pour les déranger là. Même le travail, on ne vexe même pas. On ne veut même pas me payer. Je cherche comme tu n'as pas aidé. On ne cherche pas le travail, ma chérie. On crée. Ingrid, je sens que tu es un peu pauvre. Écoute-moi un peu plus longtemps. Ça va t'aider. Voilà. Tu penses toujours à tes rêves. Les rêves sont bizarres. Tu me parles tes rêves. Pourquoi les rêves ne donnent pas l'argent? CDI en attente. Prends un lavage à distance. Tu connais quelle fondation pour ton CDI? En cherchant l'autre homme qui va venir remplacer le père de ton enfant. C'est comme ça que tu vas encore tomber dans le trou. Parce que souvent, tu arrives, tu rencontres un homme. Il va te faire, oh, tu sais, accepter une femme qui a déjà l'enfant, vraiment, alors qu'il ne fait même rien dans ta vie. C'est pas comme s'il s'occupe financièrement de l'enfant, là. Deux enfants, deux pères inconnus, et puis quoi? Tu étais parti dans la banque de sperme, tu as pris le sperme, tu as mis dans ton ventre, chérie. Arrêtez de vous mettre les étiquettes, arrêtez de laisser dans vos stress. Ah, tu sais, comme tu as seulement deux enfants, mais hey, pendant qu'il t'a fait ça, ça fait quoi? Ce ne sont pas tes enfants. C'est toi qui as porté dans ton ventre, non? Hein? Arrêtez
vos trucs là que ça vous complexe, ça vous frustre. Tu es là dans la nuit comme ça dans le lit, tu dis ah me voilà, j'ai deux enfants avec deux pères différents. Hey, vraiment. Mof. Même ces quatre enfants avec cinq pères différents. Tu rêves de moi. J'espère que tu gifles dans le rêve là. Et que tu te réveilles, tu es riche. Mais rêve de toi. J'espère que dans le rêve, tu gifles bien même. Femme sage, je ne viens pas encourager les gens à mon direct. Je vais te bloquer. Celui qui veut pleurer, c'est là, je le bloque et je bloque celui qui l'encourage. Voilà. On ne pleure pas dans mon direct. Vous avez fait vos larmes là ailleurs. Tu as quel problème que les gens n'ont pas eu? Deux enfants, deux pays différents. Tu vois pas le front de tes enfants là comme c'est comme pour toi. Regarde le front de tes enfants. Non, moi j'aime parler d'argent, pardon. Mais attends, t'es bloqué, pardon. Parce que les gens qui remarquent que tu parles d'argent, ça veut dire que vous êtes pauvre. Tu cherches et tu bloques. N'aimez pas l'argent. Allez être pauvre. Emmanuel, la tête te bloque. Je veux savoir si Jérôme va m'envoyer l'argent. Il ne faut pas avoir l'argent. Tu attends l'argent des gens. Si le powerbank ne charge pas, parce que je vais changer, je vais me déplacer pour faire le direct. Oh, c'est chiant. Je vais m'asseoir ici. Voilà. Je ne peux pas arriver à une destination que je n'ai pas planifiée avec mes enfants. Et je pense aussi que l'enfant, Dieu permet que l'enfant reste avec le parent qui va permettre que cet enfant s'épanouisse le plus. Il y a des hommes qui freineraient ou qui ralentiraient l'évolution de vos enfants ou les chances de vos enfants. Sandrine, ça c'est super. Vous devez comprendre en fait que quand tes yeux s'ouvrent, il n'y a aucun objectif que tu puisses fixer sur tes enfants et sur toi. Et ça ne marche pas. Il n'y a pas. Ce que vous manquez, c'est la stratégie, la planification et la discipline. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas mis l'argent de côté pour vos enfants.
Ce qui va aider ton enfant dans le futur, à part l'argent que tu aurais économisé pour lui donner, pour qu'il se lance, ce sera une bonne éducation. Une bonne éducation. Et l'éducation, en partie, ça s'acquiert à l'école. Et à la maison, assurez-vous que l'enfant soit dans un environnement où on peut bien le corriger. Il y a des personnes qui ne vous aiment pas. Vous avez laissé vos enfants chez eux. Ils ont laissé vos enfants devenir n'importe quoi. Vous savez la faute à qui? C'est votre faute. Oui. Mon fils n'était pas têtu. Depuis qu'elle est laissée chez ma tante, tous les jours, on m'appelle, on se plaint. Oh, Jérôme, qu'est-ce que tu veux finalement? Tu laissais Jérôme là-bas, pourquoi? Hein? Tu as acheté mes produits et tu veux savoir par quel kit je peux commencer. Prends le kit fondation. Il y a même le kit restauration. Il y a des petits produits. Avec 10 000 déjà, je peux commencer à acheter des choses. Il y a les assurances. Tu prends l'assurance vie, tu mets le nom de tes enfants dessus. S'il t'arrive quelque chose, on va donner de l'argent à tes enfants. Malheureusement, c'est quand tu meurs que tu vois qu'on ne s'occupe pas bien des enfants. C'est le jour où tu meurs. Malheureusement. Franchement, le iPhone ne veut pas charger. Si ça ne charge pas, c'est que le direct va bientôt s'arrêter. This is really strange. TikTok, je ne peux plus parler longtemps. Josiane Boué, j'ai pris du poids. Ma tête était bloquée. Pardon. Ces gens qui ne me suivent plus, vous me suiviez il y a cela 3 ans. T'enlève officiellement de ma page. Voilà. Je suis en direct chaque jour, tu ne m'as jamais vu. Quand tu me dis qu'il est pour du poids. Les gens qui aiment se mêler de la vie des gens. Je ne comprends pas comment le chargeur ne marche pas. Ça ne me permet pas de continuer avec vous et TikTok. Je disais quelque chose tout à l'heure, les dernières paroles. Première chose, si vous pouvez, parce que parfois, la porte que tu ouvres te coupe trop. Quand la personne rentre dans la vie de l'enfant, surtout quand l'enfant arrive à un âge où il commence à devenir manipulable. Il y a le kit pour les maris de nuit. Le kit pour faire les divorces et les maris de nuit. Donc, assure-toi que, premièrement, l'enfant est dans un environnement où on peut le corriger. Assure-toi que tu payes les activités extrascolaires à ton enfant. Assure-toi que tu mets de l'argent de côté pour l'enfant. Assure-toi que l'école où tu envoies l'enfant, il y a les bonnes écoles. Hein. C'est quand tu commences à mettre ton enfant dans les meilleures écoles de ta ville que tu comprends qu'il y a école et école. C'est là que je vois qu'il y a école, il y a école. L'enfant peut-être a tous les problèmes en physique, physique, physique. Tu mets l'enfant dans une autre école que tu payes peut-être 2 fois plus. Le problème de physique finit sur l'enfant. Oui. Le problème de physique, ça finit. Imagine ton enfant garde ça. Il arrive au bac ou en seconde, il prend une mauvaise filière. Après, il arrive au bac, il échoue, il passe à vie une petite moyenne. Vous voyez que l'université de l'enfant est déjà handicapé, non? Les activités extrascolaires. Beaucoup de parents africains ne payent pas. Vous avez grandi, vous n'avez pas de compétences, non?
Tu ne sais rien faire d'autre. Tu connais le piano. Moi, je ne connais pas. Piano, tennis, rien. Parce que tes parents n'ont rien payé d'autre pour développer quelque chose d'extra. Payez-en pour vos enfants, s'il vous plaît. Apprenez la gestion financière à vos enfants. Si tu peux, tu achètes en Afrique, ce que nous on fait, c'est quoi? Avant que ton enfant ait peut-être, avant qu'il ait 18 ans, tu achètes des terrains parce que le terrain, c'est une bonne façon de garder l'argent. Tu achètes le terrain, tu mets, pas forcément le nom de l'enfant, parce que l'enfant peut découvrir que ça a son nom, il prend une. Tu sais, ok, le terrain, c'est pour tel enfant. Ça, c'est pour tel enfant. Tu vas chez le notaire, tu signes tous les papiers. Le terrain, la valeur du terrain augmente avec le temps. Tu achètes quand l'enfant a 5 ans. D'ici à ce que l'enfant ait 20 ans ou 21 ans, il peut couper en deux, il vend une partie, il construit sur l'autre. Des choses comme ça. Devenez des personnes intelligentes. Become smart. Si en septembre, tu te retrouves, tu es coincé pour payer la pension de l'enfant, alors que je t'ai dit 6 mois en avance, tu te désabonnes de ma page. Tu te désabonnes de ma page, tu quittes ma page. Comme ça, il va encore t'inviter à l'hôtel, le père de l'enfant, parce qu'il va te donner seulement 50 000. Et vous savez que s'occuper de l'enfant, 50 000 ne fout rien dans la vie d'enfant. La vie devient de plus en plus chère. Arrêtez de faire vivre vos enfants comme les pauvres. Mange le riz sauté tous les jours. On mange le tapioca tous les jours. Ce n'est pas obligé. Ce n'est pas que l'enfant mange la viande tous les jours, mais il y a un certain degré de pauvreté que vous devez enlever aux enfants dedans. Et c'est à vous de bosser et de planifier. Le tien a dit 20 000 par mois. Il a donné deux fois. Les 20 000 de moquerie qu'avant de te donner la bombe, c'est toi qui vas écrire tous les jours. C'est demain, tu as écrit que tu payes le 15, non? Tu écris le 14, tu écris le 15, tu écris le 18, tu écris le 22. Eh, pardon, je te bloque même. Je te bloque. Je te bloque. C'est 20 000 que tu vas faire, tu vas me donner un mot de tête. J'avais une belle famille que quand ils venaient me donner, on vient d'abord. Ils ne t'envoient pas l'argent, hein. Ils disent qu'ils veulent venir voir là où je suis. On veut venir voir l'enfant. Je les attends. Oh, mon power bank, il ne veut pas marcher. On veut venir voir l'enfant. Ils arrivent. Vraiment, Jocelyne, tu es têtu, hein? Vraiment, on t'avait dit, il faut nous donner l'enfant. J'ai dit que je ne voudrais pas mon enfant. On t'avait dit, moi, je t'avais parlé depuis, hein? Vraiment, parce que vous voulez me donner 50 pounds en partant. Parce qu'on aura 50 pounds. 50 pounds. Et après, il dit que pardon. Même quand l'anniversaire arrivait, je n'appelais plus personne pour dire qu'il y a l'anniversaire de mon enfant. Je voulais profiter de l'anniversaire pour commencer à dire que tu es où maintenant avec l'enfant? Oh, je t'avais dit. C'est toi qui as choisi de partir souffrir. On les connaît bien. Voilà. Henry. African parents don't want to invest in their children. That's true. Le fait de savoir demain, je te bloque. On te dit qu'on vend des produits pour les maris et femmes de nuit. Tu es tout dérangé. Genre, moi, ce qu'il y a là-bas. On te bloque. Comment quoi? C'est la malchance. Les clients qui viennent déranger les gens. Maintenant, il me voit que sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il me chie? Il me regarde même encore. Il me voit seulement sur les réseaux sociaux maintenant. Que oui, n'est-ce pas? Maintenant, ils utilisent les mots seulement pour taquiner mon enfant quand l'enfant parle là-bas.
un jour, l'enfant me dit, elle dit à sa soeur, c'est sa soeur qui me dit, on s'est moqué d'elle que sa mère est sorcière. Et ah bon? C'est ça que vous dites à mon enfant? Ok. We go see him. Les gens n'aiment pas quand vous avez l'indépendance d'eux. Ils n'aiment pas. Et vous n'êtes pas indépendant parce que vous n'avez pas réfléchi. Vous n'avez pas réfléchi pour planifier. Tout se planifie. Le guide couronnement pour Paris, on va te l'envoyer seulement. Ce n'est pas à Paris actuellement. Mes numéros sont dans ma bio. Consultation rapide, les lectures là, lecture de carte, c'est 20 000. Et si tu cherches à ce que je te parle, c'est 80 125 euros. Tu vas t'assurer que tu es là derrière le sel depuis et que tu m'écoutes déjà depuis un moment. Tu ne peux pas venir, c'est la première fois que tu payes. Ne paye pas. Ne paye pas. Dès qu'on te dit que je suis enceinte, même dès que tu commences à chercher l'enfant, mets l'argent de côté, non, chérie. Mets l'argent de côté. Les visites médicales, 30 000 par mois. Donc, comptons un peu. Tu sais que tu es enceinte, ça te fait 8 mois de visite médicale. 33 fois 8, ça fait 24, ça fait 240 000. Les médicaments, les fer, les vitamines, les ceci, les cela à prendre. Par mois, ça, c'est au moins peut-être 15 000. Donc, 240 000 plus 120 000. La layette. Quand tu fais la césarienne, il y a les pays que la césarienne, c'est 1 million. Les pays que c'est 700 000. Cameroun, les soins sont moins chers. Tu peux rencontrer une fille comme ça, là, que tu veux faire l'enfant depuis. Tu as mis 700 000 de côté, 1 million de côté. C'est encourageant. Stani, c'est bien ça. Festicam, c'est Festimcam, je vais te bloquer. On me dit que le sel t'a fatigué, je vais te bloquer encore. J'ai commencé avec le sel, c'est dur. Et puis on te fait monter la colline, tu fais 3 km à pied chaque matin en te lavant au sel. Raisonnez, soyez prévoyant. Si tu ne vois pas sur le long terme, à coup sûr, tu auras honte. Je vous dis, quand tu vois un gars que sa belle famille lui manque de respect, une fille que sa belle famille lui manque de respect, c'est d'abord le manque de prévoyance. Vous savez qu'on se moque de vous. Elle n'a même pas fréquenté. Elle veut seulement faire l'enfant. Et là, ton bébé, alors qu'il est dans ton ventre, là, il te fait dormir tous les jours. Petit agent, ça mange ça. Et il mange une nourriture par jour. Le lendemain, il mange plus la même chose. Quelle est la grossesse qui dérange? Tu peux pas dormir, tu peux pas rester chez ta soeur. Tu es indisposé les gens. Maintenant, on te parle mal. Arrêtez le manque de respect. Arrêtez. Est-ce que mon mari va revenir? Attends, il te bloque. On parle, ça ne vous aide pas. Ça ne vous dit rien. Parfois, tu vois une fille de 25 ans, un jeune homme de 28 ans. Il n'a pas de plan dans sa vie, pas de vision.
Le gars ne peut pas te dire que bon, je suis en train d'économiser l'argent pour acheter mon terrain. Non! Il veut le parfum. Et tu es pauvre. Réfléchissez. Réfléchissez. Quand tu restes comme ça, là, toi-même, tu vois que non. Ça fait 5 ans que je n'avais pas à nourrir mes enfants. Me voici aujourd'hui. J'ai la voiture. J'ai acheté ma première maison. Pas que ma maison. Ma première maison. Arrêtez votre. Il me faut seulement une seule maison. Tu as 3 enfants. Ils vont venir pour te diviser la maison là comment? Ta mère ne t'a pas donné la maison. Tu peux passer la maison à tes enfants. Ton esprit ne répondra qu'aux questions que tu as posées. Comment faire pour avoir 3 maisons? Ça, non, Alida. On te parle mal après, tu dis qu'on te menace. Alors que c'est toi qui déranges les gens. Tu fais que l'homme-là et la femme-là, ils ne peuvent pas faire leur truc la nuit parce que tu es chez eux. Toi, avec le mot séduit, là, je n'aime pas le mot séduit ici. Voilà, en une phrase, elle met tous les mots que je n'aime pas. Séduit. Le travail est bloqué. Non, attends, je te bloque. Je vais me donner un mot de tête. Les filles qui aiment se plaindre là. Toujours avec un problème. Tu crois que tu es bloqué plus que qui? Toi, elle te bloque. Tu peux rester, tu souffres pour avoir ta première maison. Parce que tu as la première maison. On te dit, wow, prends 15 ans pour payer. Comment payer cette maison en 5 ans? Posez-vous les questions, s'il vous plaît. Comment faire pour que mes enfants partent dans les écoles privées? C'est possible. Je veux que mon fils soit footballeur. N'as jamais payé un professeur pour qu'on enseigne ton enfant. Parce qu'il est seulement têtu. Il y a les sports-études. L'enfant a 5 ans. Tu veux le mettre dans sport-études. Commence à économiser. 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu peux être en Europe, tu achètes le terrain au pays. Que ça, c'est pour mon enfant. Quand l'enfant a 12 ans, ça fait 7 ans que tu économises pour ça et que tu as acheté 2 terrains au pays. Vois un peu, va un peu vendre pour voir combien ça peut donner. Première année, on te dit 25 000 euros que tu dois payer. Vas-y. Soyez des mamans intelligentes. Be smart. Smart. Vous voyez Kylian Mbappé là, pourquoi qu'il a réussi parce que son père, il l'a mis dans l'école normale. Son père a fait le tout normal avec lui. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'enfants africains qui percent. Les 50 euros que le père veut te donner là, dépasse-moi ça. Il me faut minimum 500 euros que je dois mettre sur cet enfant-ci par mois. 500 euros 1 an. Ça fait 6 000 euros, s'il vous plaît. Tu commences à 5 ans. Quand l'enfant a 15 ans, ça fait combien? 60 000 euros. Et si tu as bien, si au bout de 2 ans, 3 ans, tu as acheté un terrain, le terrain peut. Petit tous les 5 ans en Afrique, le terrain peut quand même doubler de valeur. Tu cherches maintenant, ok, ce sont les terrains là que j'avais achetés. C'est pour ça que vous devez toujours avoir l'argent dans votre, vous devez toujours avoir l'argent dans votre porte-monnaie là, dans votre compte d'épargne. Souvent il y a des opportunités. L'autre jour, il y avait un immeuble qu'on vendait à 70 millions là-bas avec Santa Barbara. Le monsieur était dans l'urgence. Un immeuble que je suis sûr que c'est au moins 150 millions, 70 millions. Tu me donnes l'argent, tu prends cash. Mais il faut toujours avoir quand même une petite réserve quelque part, dire que bon, c'est une opportunité. Bam, je prends. Et même si on te tourne les rênes n'importe comment, on ne donne pas l'argent de ses enfants aux gars. J'ai dit que quoi?
Si vos mères ne vous ont pas parlé, vous parlez. Ça ne vous va pas, vous vous désabonnez de ma page. Vous devez réussir. Moi, j'ai grandi, juste ma mère est morte quand elle avait 19 ans. Et je pense que si ma mère était en vie, je ne pense pas que ma mère aurait donné ce genre de savoir. J'ai cherché. Mère célibataire. Je dis la main de l'enfant et pas, je coiffe. Je monte et descends, je prépare les beignets, je vends, je cours. Je monte dans le bus, je pars à Coventry, je vends. J'accumule un peu mon petit argent comme ça. Et je vais t'épouser. Tu es déjà des femmes que j'aime. Ouais, j'ai un petit problème là. Oui, prête-moi même 5 000 euros. Quelqu'un qui a un boulot qu'on lui paye au moins 2-3 000 euros le mois. Tu viens, moi, qui n'a pas de papier. Moi, femme sans papier. Tu prends mes 5 000 euros que j'ai mis de côté. Je sors de là, je pleure mon argent. Je pleure le gourmand. Il dit, mais Seigneur, il avait un bon boulot. Je pleure mon argent, je pleure le gourmand. Je dis, ok. Je crois que j'ai retenu la leçon. Hein. Ce qu'elle vous dit là, hein, vous dites, vous faut encore 3 gourmands avant que ça entre bien. Avant que tu intègres ça. L'autre vient que non, ça c'est le bon. Le bon. Au début là il te faroute un peu la chose parfois à ton père il dit que à vous te soit un problème là et puis on va se marier non on va se marier on ne sort pas son argent pour donner mamie tu on met le pain chocolat. On met un investissement de business. Je viens et mange le pain et pas investir sur mon business. Il ne te donne pas. Oh là là. C'est comme si ces hommes-là sont des testeurs. On va te tester jusqu'à ce qu'on s'assure que tu as retenu la leçon. Oui. Mais t'as bien, il te dit que tu n'es pas. Oh, tu n'es même pas. Oui, bébé, je ne t'aime pas. Tu m'as trouvé avec deux enfants, non? Oui. Laisse-moi chercher la vie de mes enfants. Oui. Ce qu'elle vous dit là, ça se passe partout. En France, aux États-Unis, au Canada, au Cameroun, ça se passe partout. Ils sont partout. C'est ce qu'on construit dans ton sommeil. C'est ce que tu as rêvé là-bas. Et tu as payé la consultation. Parce que vous pouvez trouver un rêve, vous ne payez pas. J'ai rêvé de toi, tu as l'offre, tu as payé. Retenez vos leçons. Ce n'est pas parce que tu as souffert que ton enfant doit forcément souffrir. Il y en a parmi vous que c'est la souffrance que vous avez traversée dans l'enfance qui fait que vous ne reconnaissez pas quand les mauvais garçons viennent à côté de vous. Salut de la Côte d'Ivoire. Vous ne reconnaissez c'est pas. C'est normal de faire le sacrifice de bélier dans les lieux sacrés. Oui, c'est normal. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Parce que ma main est occupée, c'est que j'ai été bloquée. C'est bien de connaître quelque chose. Mais si tu appliques la chose, c'est encore mieux. Connais, conseille, mais fais. Par-dessus tout, fais. Imagine ton enfant demain. Quand il a 22 ans, tu lui dis, mamie, ma chérie, voilà ta maison que j'ai achetée. Oui, c'est un petit appartement.
appartement de une chambre. Voilà, ton ex t'avait demandé de lui faire un enfant. Et tu n'as même pas encore l'argent. Tu as dit non. Tout homme qui te dit que fais-moi un enfant, ça veut dire qu'il est en train de demander 2 ans de ta vie. Donc, demande-lui s'il a économisé 2 ans de salaire. Et s'il croit qu'il a vraiment, tu dis qu'il avance, il fait l'avance de salaire. Oh my God. Oh, j'ai les idées. Fais-moi l'avance de salaire. Ils vont ouvrir, tu vas mettre. Avance de salaire. Voit même 6 mois d'abord. Et tu me montres les preuves de fonds pour me montrer que tu as l'argent des 18 autres mois. Oui. Là, il a dit qu'elle était tombée dans son piège. Hein. Vous voulez les prix des kits hein? Au Cameroun, les kits, c'est 70 000 et 70 000 et 85 000. En France, c'est 230 euros. États-Unis, 280 dollars. Il y en a que c'est 300 dollars. USD. CAD, c'est 390 dollars. CAD. Fais-moi l'avance. Moi, on a même 2 millions là. Oui. Et fais-moi mes porteuses. Ah, c'est vous qui vous occupez. À Libreville, c'est 100 000 francs. C'est vous qui vous occupez des enfants de ces hommes-là. Au Cameroun, ils ont ce dicton, c'est là que l'enfant va me chercher. Imagine 22 ans. Attends, ma chérie, imagine, tu fais l'enfant. Tu n'as pas de stress. Quand tu peux faire les visites prénatales, quand tu veux m'accoucher, tu fais une ménagère ou une bonne, ou une nounou vient, elle reste avec toi. La nuit, quand l'enfant fait nien, 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 viens prendre l'enfant. Elle était dans mon sommeil. Imagine, je sais que beaucoup d'entre vous avez accouché, ça ne s'est pas passé comme ça. Imagine, chérie. Oui, l'enfant va grandir, il va me chercher. Annie, quitte ma page. Tu peux m'apporter aussi la malchance, que j'ai tellement de malchance. Si tu as cherché l'enfant dans les 6 derniers mois et ce n'est pas entré, il faut boire une bière ce soir. Ne bois pas le jus. Tu veux le jus, bois la bière, chérie. Tu dis thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Attendez un peu. Il y a un appel de business qui est en train d'entrer là. Allô? Oui, j'écoute. Oui, dis-moi. D'accord. Oui. Oui. Pas de souci. J'ai récupéré, je l'ai. Oui.
Ça marche. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, il faut pas. Tu vas passer là où tu connais là pour chercher les sous. Pas de problème. J'ai compris. Oui. Ok, j'ai compris. Bon, j'étais en réunion. On va se parler tout à l'heure, ok? Donne-moi seulement l'heure de la réunion de demain. Oui, je vais déposer ça là-bas avec les sous. Ok, bye bye. Avec les photos. Bye. Ça, c'est les choses que le bailleur va récupérer aujourd'hui. Excusez-moi, je finalise quelque chose. Qui a le téléphone 680? Ça sonne depuis la personne ne décroche. Décrochez-le-moi, s'il vous plaît. Oh. Huguette, il ne s'agit pas de dire que les hommes sont méchants. Les hommes ne sont pas méchants. Les hommes ne font que ce qu'ils peuvent faire pour survivre. Je ne suis pas ici, ce n'est pas une campagne anti-homme. Ils ont quand même eux qui nous donnent le chocolat. Si tu es anti-homme, il y en a parmi beaucoup d'entre vous, vous êtes assis comme ça, là, votre gars là. Je ne suis pas anti-homme. Je veux ce que vous raisonniez, c'est tout. Je ne suis pas anti-homme. C'est pour ça que tu vas commencer à faire, ils vont fuir. Il faut juste raisonner. Soyez raisonnable. Raisonne. Et on abuse de toi que si tu te laisses abuser. Tu as l'enfant avec quelqu'un ou tu es enceinte, il fuit. S'il y avait la police qui devait l'arrêter, on le met en prison que tant que tu ne payes pas les soins médicaux pour cette femme-ci, tu ne sors pas. Il payerait. Et quand il fallait mettre l'enfant dans ton ventre, c'est toi qui es parti ouvrir, non? Donc, il n'y a même pas de méchanceté. C'est comme si on dit peut-être que tu as laissé ta porte ouverte, on est en train d'apporter tes choses. C'est toi qui t'es laissé faire. Quand tu peux accepter ta part de responsabilité, certaines personnes se chamaillent tellement, certains parents se chamaillent tellement que vous oubliez l'avenir de l'enfant. Je vais lui montrer, je vais la montrer. What? Pourquoi? Pourquoi? Tu racontes ton histoire. Pourquoi ton histoire ne s'est pas bien terminée? Tu veux nous raconter des histoires tristes? Pourquoi on dit maintenant que ouais? Toi, tu as même eu des grossesses heureuses. Il y a des femmes ici qui n'ont pas connu des grossesses heureuses. Donc, il faut apprendre à prendre ta part de responsabilité. Deuxième chose, il faut savoir qui est la priorité si tu es parent. La priorité, c'est l'enfant ou les enfants. Orlan, pardon, viens travailler ici là. Viens travailler. Et parfois, certains parents, tu peux être avec un homme, vous avez des problèmes. Malheureusement, l'homme est plus égoïste que la femme. L'homme ne pense pas beaucoup à l'enfant. Beaucoup d'hommes. Je n'ai pas dit que c'est tous les hommes. Donc, vous devez savoir juger. Est-ce que dans son comportement, est-ce qu'il met la priorité sur l'enfant?
Le temps avance. Il y a certains hommes aussi que, bon, ils exagèrent et ils rendent la vie tellement difficile à la femme. Et quand il y a le facteur de tromperie qui arrive, ça gâte. Quelqu'un se sent trompé. Et après ça, il se sent, voilà, c'est... Parfois, les gens, vous faites souffrir l'enfant parce que vous avez été trompé. Autant de petites choses. Sachez que la priorité, c'est le futur de l'enfant. Oui, il y a des femmes égoïstes. Elle peut faire seulement acheter son téléphone, ses perruques, c'est ceci. Tu dis que les enfants vont manger quoi, les enfants? Elle s'en fout, elle ne veut pas savoir. Donc, c'est pour ça que j'ai bien dit, ce direct s'adresse aux deux côtés. Femmes comme hommes, pensez à vos enfants. Voilà. Le volume est bon et c'est passé, c'est bon. Ton ex-mari, il a refusé ta grossesse. Quand tu as accouché un garçon, il a maintenant donné il a partagé la boisson aux gens au quartier. Je peux même imaginer une grossesse que le papa ne veut pas l'enfant. Moralement, c'est très dur. Très dur moralement. Il me dit, comment est-ce que tu peux regarder un enfant dans les yeux? Tu lui dis que je t'aime. Et tu sais que tu es en train de faire ce que les décisions que tu es en train de prendre, ça ne va pas améliorer sa vie. Arrêtez de dire, je t'aime mon enfant, mon fils. J'aime mon enfant. Prouvez. Femme comme homme. C'est comme ça que vous faites l'enfant grandir, il ne connaît pas ce que c'est que l'amour. Il connaît l'amour abusif. Quand quelqu'un t'aime, il abuse de toi. Il prend ce que tu as. Il vit bien. Combien d'hommes vivent bien, leurs enfants ne vivent pas bien. Il a la voiture, il vit bien. Il vient, il regarde l'enfant comme s'il partait à l'orphelinat. Il a fait le riz, il dépose. Il regarde l'enfant. Oui. Parce qu'il a dit à sa femme, à la mère de l'enfant, certaines choses, elle a refusé. Pardon, nettoie le poisson là, mamie. Il vient comme s'il venait à l'orphelinat, il achète les yaourts, il achète le riz, les bonbons, les biscuits, il les dépose. Il a un peu d'argent, il part. C'est quel genre d'amour? Merci, Sufena. L'amour, ce n'est pas seulement de dire à l'enfant qu'on l'aime. C'est que beaucoup de parents sont forts pour ça. Je t'aime, mon fils. Et ça fait que parfois, souvent, certains parents couvrent l'autre parent. Le père de ma dernière fille m'a fait ça. Il avait le cœur sur les enfants. Quand j'ai conçu, il m'a montré le feu. Il fait sortir de la maison à 7 mois de grossesse. Au début de votre relation, il rendait grâce à Dieu de t'avoir trouvé. À 1 mois de relation, il a gagné le Paris Foot, 1,5 million. Il joue au Paris Foot, ça devait être un indice pour toi, pour fuir. Pourquoi j'ai l'air pâle? Je te bloque. Même si tu remarques que je suis pâle, mamie, il faut me laisser. Je n'ai pas mon médecin. Voilà.
de leur apprendre ce que vous avez dit ici. Ce n'est pas n'importe quelle pensée que vous venez mettre sur mon direct. Gardez vos incantations pour vous. Je les parle. Et Sida, bonjour. Je pense que j'ai fait le tour, je vous ai tout dit. J'ai fait les lectures. Je vais charger les téléphones, je ferai les lectures tout à l'heure. Maintenant, tu dis que je brille de tout feu pour me flatter. On ne me flatte pas.